Donc, bonjour à tous. Donc là, je vais vous présenter Félix et Hippopo. Donc, les noms viennent évidemment de Félix et Hippojo, hors Python. Donc l'idée, c'était d'avoir des concepts équivalents à ce qu'on utilisait en Java habituellement, c'est-à-dire OGI et Hippojo, uniquement cela, avec Python. Donc, Python, pourquoi avoir choisi ce langage-là? Alors déjà, c'était pour l'accès aux méthodes POSIX, puisqu'on travaille sous Linux, on fait beaucoup de travaux sur le système, sur la gestion de processus, etc., ce qui, en Java, n'est pas quelque chose de facile à faire. L'accès aux méthodes POSIX aussi, on peut voir ça comme un accès aux méthodes C, puisque bas niveau, etc., d'une manière simple, sans avoir à travailler avec JNA ou JNI, à chaque fois, on risque un petit problème avec la VM, Python est un peu plus stable à ce niveau-là. Ce qui nous intéressait aussi, c'était la portabilité, puisqu'en gros, Python en tant que langage est portable, donc sur Windows, Mac, Linux, etc., Android en fait partie. Portabilité relative, parce que justement, vu qu'on a un accès au système en dessous, on a par exemple des méthodes qui sont spécifiques au logiciel Windows, au système Windows, au système Linux ou au système Android. Une faible empreinte mémoire, puisque un programme Python prend moins de 5 mégas de RAM, donc 10 fois moins environ qu'une JVM classique. La simplicité de lecture et d'écriture, alors ça c'est un peu objectif, enfin subjectif, pardon, puisque le problème de Python, qui est son avantage aussi, c'est l'indentation qui fait vos blocs, il n'y a pas d'accolade, etc. C'est un code qui est lisible car indenté, mais qui est difficile à transporter, par exemple, si vous voulez le transporter par XML, etc., puisque ce genre de formatage va disparaître. Donc, on va démarrer par Pélix, puisqu'on a fait la même séparation. On a la couche OSGI, équivalent OSGI en couche basse, et on aura ensuite Hippopo, qui est la couche composant. Donc, Pélix, à la base, c'était pour les services. On avait démarré ça uniquement pour gérer des services classiques, donc gérer de la même manière qu'en OSGI. Et on est parti ensuite sur la gestion dynamique des bundles, donc... je vais en parler un peu plus tard, mais c'est un peu compliqué à faire en Python. On retrouve les notions de base d'OSGI, donc bundle, bundle contexte. Le bundle représentant l'objet lui-même, le bundle contexte représentant le lien avec le client, etc. Le même jeu service référence, service registration comme OSGI, et les mêmes listeners. Donc les bundles, un bundle pour nous c'est un module Python. Donc, un module Python c'est un fichier .py. Sachant que dans ces fichiers, vous pouvez avoir plusieurs classes, plusieurs constantes, plusieurs méthodes au niveau du module lui-même. On gère un petit peu les packages. Donc les packages sont eux des dossiers qui contiennent plusieurs fichiers Python. Donc leur notion est en train d'évoluer au sein même de Python. Donc pour le moment, on n'y regarde pas trop. On ne gère pas du tout les fichiers exe. Donc les Python exe, c'est un peu comme les fichiers jar. C'est un package ou un ensemble de packages avec un manifeste. En dehors des fichiers EGG, pas de manifeste. Donc on n'a aucun moyen de gérer les dépendances, de gérer ces éléments-là. En fait, ils sont gérés en interne. Par exemple, le numéro de version d'un bundle va être inscrit dans une variable dans le module. Pas de gestion de dépendance non plus, parce que on gère en Python, les imports sont faits de manière dynamique. Par exemple, en Java, quand on fait un import, ça va être juste utilisé pour la compilation, le linking va être fait au plus tard possible. En Python, généralement, vous faites votre import en début de fichier, et si l'import n'est pas présent, ça fait une exception. Et on arrête là. Donc ça, c'est des travaux qu'on va faire, qu'on va continuer pour avoir quelque chose d'un peu plus propre. Et enfin, donc, comme en OSGI, on a un activateur. Donc c'est un objet contenant des méthodes start et stop. Donc l'intérêt en Python, c'est que c'est du dynamisme pur. Donc ça veut dire que quand je dis un objet, ça peut aussi bien être une classe que n'importe quel objet auquel on a raccroché des méthodes start et stop. Objet déjà existant ou module existant, etc. Bon là, c'est juste un exemple d'activateur. L'activateur minimal, donc pour voir un peu à quoi ressemble du code Python. Donc avec une définition de classe au-dessus, on a bien nos méthodes start et stop qui reçoivent le contexte du bundle, et ensuite l'objet activateur qui est une instance d'activateur derrière. En Python, quand on charge un module, on l'exécute. Donc ça veut dire que tout le code qui est
en colonne 0 va être exécuté pendant le chargement du fichier. Donc, contrairement à un jar qui est inerte au moment de son installation, il y a déjà quelque chose qui s'est passé en Python. Le cycle de vie donc, d'un bundle Pélix est presque équivalent à celui en OGI. La différence, c'est qu'on passe de l'état install à resolve immédiatement, vu qu'on sait que si on a réussi l'installation, on a toutes nos dépendances qui sont présentes. Sinon, on a les mêmes événements, donc starting, active et stopping, avec quelques petites nuances au niveau des événements derrière. Ça, j'en parle juste comme ça par parenthèse. Mais en Pélix, on a rajouté des petits éléments qui nous semblaient manquants en OGI. Par exemple, on est capable d'avoir des éléments qui nous disent le bundle est en train de s'arrêter, le bundle est arrêté et le bundle a été nettoyé. Avec cette petite nuance qui dit, dans le premier cas, arrêté, c'est l'activateur qui a été appelé par le framework. Et après nettoyage, ça veut dire qu'il n'y a plus aucune référence du bundle qui sont disponibles dans le framework. Ça permet d'avoir une petite nuance de voir si le nettoyage a été fait correctement ou non. Voilà, c'est moche, j'ai que du texte. Donc les services, comme je disais, c'est le même principe qu'en OGI, qu'en Java. La seule différence notoire, c'est la suppression du camel case. Donc toutes les méthodes sont nommées pour utiliser un nom avec un caractère souligné. C'est juste pour être plus dans la logique Python, dans le standard Python. Sinon, donc on a les mêmes principes, on a la récupération de services par filtrage, soit sur les propriétés, soit sur les spécifications, soit les deux. Là, c'est un morceau de code qui montre comment enregistrer un service et les enregistrer dans un activateur. Donc rien de trop différent par rapport à ce qu'on connaît en Java. Mais donc on a encore quelques limitations. Comme je disais, pas de description des bundles dans un manifeste. Ça, c'est quelque chose que pour le moment on ne gérera pas, mais qui viendra plus tard. Les spécifications sont gérées d'une manière particulière. Donc on considère que des chaînes de caractères, mais qui ne vérifient rien de réel sur l'objet qui est donné en service. Parce qu'en Python, on est en dynamisme complet, donc ça veut dire qu'on peut accrocher ou décrocher des méthodes à un objet. Ça veut dire que la spécification peut évoluer elle-même, soit au niveau d'une classe, soit au niveau d'un objet, d'une instance de service lui-même. Donc on a décidé de ne pas faire de vérification, de faire confiance aux développeurs. Donc c'est pour ça qu'on reste sur la chaîne de caractères, pas de vérification particulière. Dans les difficultés qu'on a, c'est qu'en Python, il n'y a pas de module ou de classe loader. C'est quelque chose qui manque. C'est en cours d'évolution. Donc en Python 3.3 qui est sorti il y a 2 ans, il commence à y avoir cette notion-là. Python 3.4 qui sort cette année a quelque chose de mieux défini. On devrait réussir à l'utiliser pour avoir quelque chose de plus équivalent à Java. Le fait de ne pas avoir de module loader, ça empêche d'avoir un contrôle suffisamment fin sur le module lui-même. Donc on sait avoir un module, mais on ne sait pas ce qui s'est passé à l'intérieur pendant son chargement. Et donc, comme je disais, en cas de manque de dépendance, l'installation échoue lamentablement. Donc ensuite, on passe à HippoGo. Donc, par rapport à HippoGo, on a essayé de reprendre le même mécanisme, donc les factories, components, source manager et handler, sachant que on a quand même des différences assez importantes. Par exemple, les factories ne sont pas des services, les handlers ne sont pas des services, ce sont des éléments qui sont ajoutés et créé sur le à voler. Le cycle de vie est basique, donc quasiment le même qu'en HippoGo. Un composant est instancié, validé une première fois une fois que toutes ses dépendances sont là, invalidé s'il y en a une qui manque, et supprimé une fois qu'il n'y a plus aucune référence sur lui. Donc là c'est assez important parce qu'en Python, on ne peut pas détruire un objet comme en Java, on ne peut pas le détruire explicitement. On peut supprimer une référence explicitement, mais on ne peut pas ramener le nombre de références à un objet à zéro. Donc là, il va falloir faire confiance au garbage collector pour dire, et aux développeurs pour libérer les références qu'il a utilisées et qui ne sont pas gérées par nous. Comme on n'avait pas d'équivalent à un jar, et on voulait éviter d'avoir des fichiers XML qui traînent pour présenter
un composant. Donc on a ignoré le format metadata.xml du Bojo, on est passé directement à l'écrire des annotations. Donc ça s'appelle des décorateurs en Python. La grande différence entre une annotation et un décorateur, c'est que le décorateur, c'est du code qui s'exécute. C'est une méthode qui est appliquée sur une méthode ou un objet. Et qui retourne soit l'objet modifié, soit l'objet brut, soit un objet totalement différent. Dans notre cas, nos décorateurs injectent des champs dans les classes décorées. L'application peut être à deux niveaux, donc soit par décoration dans le code, donc comme une annotation classique en Java, soit par un appel, donc il suffit juste d'appeler le nom du décorateur et lui passer un paramètre, et on a l'exécution de la méthode qui se fait derrière. Donc dans les décorateurs de classe qu'on utilise, on a donc le point de factory, le requires qui vient du Bojo avec à peu près le même paramètre, le provides également, property pour indiquer une propriété à la fois de composant et de service, les propriétés sont forcément propagées, et instantiate si on veut qu'un objet soit créé automatiquement au chargement de la factory. Au niveau des décorateurs de callbacks, donc validate, invalidate, bind, unbind, update, donc ça on est toujours dans l'équivalent de ce qu'on a en Bojo, avec une petite nuance, c'est que encore une fois, en Python, c'est un peu particulier. Quand on va analyser une classe, ces méthodes vont être analysées en tant que méthodes isolées et ensuite vont être raccrochées à la classe. Donc c'est-à-dire que quand on a un décorateur de callback, on ne sait pas encore dans quelle classe on se trouve, ni dans quel composant, etc. Donc à force de feinter, etc., on a dû trouver des petits paramètres à passer, donc notamment bind field, update field, etc. sont dus à ça. On feinte un petit peu pour essayer de raccrocher la méthode à sa classe avant qu'elle soit faite par l'interpréteur. Le cas particulier, c'est être notifié de la destruction de son objet. Donc là, par contre, on s'appuie sur les méthodologies Python classiques. C'est la méthode spéciale del, donc qui est appelée par le garbage collector une fois que l'objet n'a plus aucune référence sur lui. Généralement, on s'en sert pas. Généralement, c'est au invalidate qu'on est censé faire le nettoyage. Donc là, c'est un exemple de décorateur. Donc je pense que c'est un peu petit. Donc c'est juste un exemple de décorateur. Alors, aussi une chose, en Python, on n'écarte pas les champs comme on fait en Java, c'est-à-dire private, type, etc. Ils sont définis dans le constructeur. Donc c'est un cas particulier, ça veut dire que c'est à l'instanciation de l'objet qu'on va créer ces champs. Ce qui pose problème, parce qu'on ne peut plus dire ce champ va contenir tel... va être injecté avec tel service. Donc c'est au niveau de la classe qu'on va dire crée-moi ce champ avec telle spécification. Donc c'est le cas par exemple ici où on injecte un champ qu'on passe. Donc le champ va être créé à la manipulation. Donc ça va être injecté dans la classe et ce sera présent dans l'instance forcément. La manipulation correspond donc à l'ajout de champ. Donc on a les membres qui vont contenir une propriété. Une propriété en Python, c'est quelque chose de particulier aussi. C'est un peu comme les propriétés en C#. Donc ça veut dire que on va pouvoir appliquer un getter et un setter sur la propriété pour être notifié des modifications. Donc ça permet notamment l'interception des appels et des accès à un membre. Donc pour mettre à jour par exemple les propriétés de service, etc., les avoir à jour immédiatement pendant l'évaluation d'une valeur. Donc on ajoute aussi les champs qu'on va injecter et on ajoute aussi deux champs de description pour la factory elle-même, pour son comportement et ensuite ça va être utilisé par l'instance manager pour voir comment ça fonctionne. Hippopo est lui-même un service. Donc l'instanciation, comme je disais, ne se fait pas par un service factory comme un service Hippojo factory comme dans Hippojo. C'est le service Hippopo qui a une méthode instantiate avec un nom de factory et des propriétés. On peut donc tuer aussi une instance et on peut s'enregistrer à un certain nombre d'événements sur le composant. Les limitations actuelles, donc c'est la notion de handler est encore un peu balbutiante,
puisque au départ on avait prévu d'avoir uniquement le require et rien de plus. Là on commence à avoir des idées d'handler supplémentaires, donc on va commencer à avoir quelque chose de plus proche d'Hippojo justement, donc revenir sur une notion de service, de handler factory, etc. Aussi le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on injecte directement les dépendances dans l'objet. Donc c'est-à-dire qu'on n'a aucun contrôle sur ce qu'en fait le composant. On n'a pas de gestion de concurrence non plus, donc ce que fait notamment la manipulation de classe par Hippojo. Et vu qu'on n'a pas de proxy non plus, on n'a pas la notion de nullable, qui est assez pratique en Hippojo. C'est-à-dire que plutôt que d'envoyer une valeur nulle dans le champ, de dire s'il n'y a rien derrière, on accepte tout et on fait rien. Alors là, je vais passer rapidement sur les services qui sont fournis avec Belix. Donc on a un shell qui est assez simple, install, update, etc. Qui est extensible, donc un petit peu à la manière de Google Shell, mais légèrement différente pour travailler avec les remote services. Donc, comme ça, on peut très bien utiliser des commandes d'un framework qui est à distance. Le shell console, donc, qui est la version interactive classique, et un remote shell qui permet d'accéder à un framework depuis n'importe où. On a aussi fait un HTTP service. Donc Python vient dans sa librairie standard avec un service HTTP de base très classique. Donc on a juste rajouté par-dessus la notion un peu plus proche de la notion de servlet qu'on a en Java, puisque ça n'existe pas du tout en Python par contre. Avec quelques petites nuances, donc par exemple une servlet peut être notifiée quand elle est liée ou supprimée d'un serveur, et donc d'avoir les paramètres du serveur, notamment son port d'accès, etc. Ce qui manque des fois en OGI. Enfin, il y a un mode service. Là on s'est inspiré d'Eclipse ECF. Donc Eclipse ECF, c'est un ensemble de bundles avec un noyau, et ensuite on vient rajouter les bundles qu'on veut pour dire bah, je veux faire du JSON RPC, je veux du XML RPC, je veux de la découverte en SSDP, etc. Donc là on a repris le même principe, sachant que les implémentations de base c'est JSON RPC, XML RPC, qui sont basées encore une fois sur des bibliothèques standard de Python. Et une découverte par multicast, donc simple, sans utiliser un standard existant, puisque là on a voulu faire quelque chose de rapide. Et donc voilà. Le petit dernier qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Event Admin, donc permettant de faire de l'émission d'événements synchrones ou asynchrones. Donc là aussi, c'est la réutilisation de ce qu'on connaît en Java. Par contre, on a supprimé le type event. Qui prend dans l'event OGI, puisque avoir un bin n'était pas forcément utile là-dessus. Et encore une fois, ça permet de simplifier le passage sur remote service. Et donc d'être notifié d'événements qui viennent d'un framework extérieur. Un dernier mot sur Android. Donc Pelix Hippopo fonctionne parfaitement sur Android. On l'a utilisé avec deux outils, SL4A, donc qui lui est un interpréteur classique. Donc en gros, c'est un Python qui est installé sur le téléphone, et il vient chercher les scripts fichiers .py qui sont présents sur la carte SD ou un endroit que vous voulez, qui peut être aussi dans le cache d'une autre application. Ils fournissent un module Android, donc pour avoir accès à la plupart de l'API Android classique. Sachant que le module Android, c'est du JNI, ça passe par RPC, etc. La deuxième solution, qui est un peu plus récente, c'est Kivy, et son pendant Python for Android. Donc Kivy, c'est pour faire des interfaces graphiques portables sur absolument tout, donc iOS, Android, Windows, Linux, etc. En utilisant OpenGL pour dessiner les interfaces. Et donc ça fonctionne en Python, et donc ils ont forqué SL4A pour avoir un Python pour Android qui est beaucoup plus compact et beaucoup plus efficace. Donc lui, par contre, c'est on embarque tout dans l'APK et on extrait notre contenu sur la carte SD ou dans le cache au moment du démarrage d'application. Donc ça ralentit un peu les choses, par contre derrière on a la main intégrale sur Android. Donc on peut récupérer notamment accéléromètre, etc. taper dans des méthodes assez poussées d'Android, tout en ayant encore une fois accès aux méthodes POSIX qui sont présentes sur Android. Donc on peut faire très bien un fork, sortir du cycle de vie géré par Android, etc.
Ils ont notamment créé une petite bibliothèque PGenius pour pouvoir taper dans une JVM qui est associée à l'interpréteur Python. Donc là, en espérant que ça va marcher, on va faire une petite démo. Donc, on va démarrer. Donc ça, c'est une application Qt. Donc pour ceux qui connaissent, hein, Qt, c'est un framework C++ qui sert aussi bien à faire des interfaces graphiques qu'à avoir du code assez efficace en C++, donc réutilisation d'algorithmes existants, etc. C'est plus que de l'interface graphique, hein. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont derrière. Et il y a une interface Python qui s'appelle PQT, tout simplement, qui va réutiliser directement les librairies Qt pour travailler. Donc là, on voit les services et les bundles à côté pour le framework qui est exécuté à cet endroit-là, donc le framework local. Il dit quand même que c'est une application JI, ça. Celle-là est en... application JI, tu veux dire quoi, ça là? C'est une application Pélix, pardon. Oui, c'est effectivement c'est du Pélix entier, donc c'est tout est en Python, tous les modules sont là, tous les bundles. Donc tous ceux que j'ai présentés, le shell, le remote, etc. Et puis donc là, j'ai la découverte par remote service des autres services justement qui viennent de ce téléphone. Donc qui gère l'apparition et la disparition. Enfin, normalement. Voilà. Et donc, notamment, par remote service et un event handler, j'arrive à récupérer le compas du téléphone. Donc là, on a pris du event handler parce que c'était un test, notamment pour event admin. Mais... Donc on aurait très bien pu faire des logiques un peu plus poussées, hein, ça y est, aucun problème, mais au moins ça marche. Juste une question là, si ouais. C'est Event Admin qui est fait de façon remote, hein. Oui, donc en fait le Event Handler est sur la machine virtuelle et le Event Admin c'est celui-là. Donc justement, vu que Event Admin est basé sur un whiteboard pattern, ça se fait très simplement. Et vu qu'on a en plus supprimé le type event, qui était un type, donc il fallait le retrouver, etc. Là, vu qu'on est avec des types natifs, ça passe directement. Donc ensuite, ce qu'on peut montrer rapidement, c'est... voilà. Donc juste pour montrer... je recherche ici, voilà. Donc juste pour montrer la dynamicité, c'est voilà, donc là par exemple je change. Hop là. Voilà. Je change donc la couleur de la pointe du compas. Donc pour ça, donc j'ai mis à jour le bundle 18, qui est ici. J'ai juste à le mettre à jour. L'objet est détruit et reconstruit vu que le bundle est arrêté et refourni un nouveau bundle. Et ensuite, donc on a bien la mise à jour qui est faite en direct. Donc là on réutilise des mécanismes classiques de Python. Donc ici, même s'il n'y a pas de class loader module loader, il y a quand même une logique de rechargement qui est prévue derrière. C'est prévu depuis l'origine de Python. Donc c'est ça qu'on réutilise pour travailler. Et je pense que c'est à peu près tout ce qu'il y a à voir là-dessus, de toute façon, puisque c'est déjà pas mal, hein, ça va. Pour un petit pays comme le nôtre.
parle du service que tu es. Ah oui, effectivement, un petit mot quand même sur la difficulté de faire ça. Donc, difficulté passée. En Java, on a toute une mécanique orientée à l'interface graphique. Donc, on a swing, on a WT, et notamment, on a des méthodes utilitaires du genre swing utilizes invoke letter, invoke and wait, qui permettent d'envoyer des ordres au Fred qui gère l'interface graphique. Dans le cas de Python, on est la couche en dessous, on est proche du C, donc toute cette logique-là disparaît. Donc, dans le cas de Qt, il a fallu freiner un petit peu pour réussir à gérer toutes ces mécaniques, dire le Fred principal gère l'interface graphique pendant que un deuxième gère le framework, et faire les liaisons entre les deux. Dans le cas de Qt, ça se passe assez bien, vu qu'ils ont une notion de signaux, etc. Donc on arrive à faire des messages inter-Fred. Dans le cas de Wix Widget, par exemple, qui est un autre framework C++, c'est déjà un peu plus compliqué. Et à l'inverse, par exemple, Python est très lié à TK à la base. Donc là, par contre, il n'y a aucun problème. On peut faire du multi-threading sur interface sans aucun souci. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Moi, je vais rajouter deux choses parce que là, il fait le modeste. Alors, en fait, là, cette fenêtre-là, si vous avez bien compris, hein, c'est une instance d'interpréteur Python dans lequel il y a un PLX de démarrer avec Hippopo. Dans les bundles qui sont chargés par PLX, donc issus d'une configuration, il y a tout un tas il y a les bundles de PLX lui-même, et là il y a un bundle qui représente l'accès à l'interface utilisateur, à l'interface graphique. Donc c'est à travers des services OSGI publiés par un bundle, OSGI Python, hein, mais OSGI, que les autres composants issus d'autres bundles viennent créer le mainframe, viennent créer les différents onglets. Et là, on voit qu'il y a un onglet local qui représente, c'est une vue, hein, de tous les bundles et services OSGI présents dans cette instance de framework. Quand Thomas démarre son application sur Android, on voit apparaître un deuxième onglet. Ça veut dire que là, on a une deuxième instance de framework OSGI Python PLX, qui fonctionne sur une autre machine, qui à travers le système de découverte par broadcast va rendre public des services. Il y a un système de whiteboard pattern, ce qui fait que le service est détecté et il y a un composant ici qui va créer donc une interface, un complément à l'interface graphique, donc un nouveau panel qui se met dans cet onglet-là. On lui applique le même principe, donc on voit les services qui sont cette fois-ci dans le framework sur la machine Android. On voit bien entendu les bundles qui sont sur le service Android. Et il y a un bundle particulier qui correspond à une exécution donc d'un objet graphique, cette fois-ci sur le Mac. Voilà, qui va récupérer des events qui viennent d'un composant qui est sur Android et qui envoie la position du compas après avoir accès aux classes Java avec Pyginus. Donc voilà. Donc là, la fenêtre que vous voyez là, c'est pas mal de boulot. Et c'est surtout des choses qu'on réussit à faire en Java, mais pas depuis très longtemps. C'est-à-dire avoir, et puis qu'on ne sait pas forcément faire, là, typiquement, avec le event admin qui ne marche pas avec remote service, on ne sait pas bien le faire avec Java. Donc là, c'est poussé, quoi. Il y a du boulot derrière. Voilà. Enfin, bon, il était le modeste, hein, donc je viens de dire qu'il a fait du boulot, quoi. Voilà. Donc ça nous amène à... Donc là, on voit, finalement, c'est un autre sujet qui nous intéresse beaucoup chez Zandavec, hein. Ça, là, en fait, ce qui est important, c'est les deux onglets. Donc, les deux onglets, ça représente deux isolats. Mais ça représente une application. Et dynamiquement, il y a un isolat qui apparaît. Hop, il est pris en compte par l'application. Et l'application est venue dynamiquement, finalement, se compléter avec les nouveaux services qui sont apparus dans cet isolat. Donc, ce qui nous amène après à Cort,
Mais c'est un autre sujet, je pourrais en parler plus longuement plus tard. Enfin, c'est une brique de base, ça. Pour nous, on avait ce besoin donc, de gérer l'apparition, disparition d'Isola, de pouvoir contrôler les Isola, etc. Donc il y a plein d'autres développements qui sont faits par ailleurs pour contrôler tout ça. Mais vu qu'on voulait avoir un système multitechnologie, donc pour tous les raisons que Thomas a données au départ, hein, c'est-à-dire pas être forcément dépendant de Java, avoir une capacité d'exécution, enfin une empreinte en termes de ressources moindre quand on veut accéder à des systèmes faiblement équipés, tant en énergie qu'en ressources. Donc on voulait avoir la même chose que du côté Java. Et puis finalement, en tirant la pelote, on s'est aperçu que parce que Python permettait d'avoir un accès plus fin à POSIX, ça permettait de récupérer plus facilement les événements système, contrôler les process, etc. Ce qui nous permet donc finalement maintenant dans notre démarche un peu globale, nos isolas sont tous des isolas Python. Et quand on veut faire du Java, c'est un isola hybride, c'est-à-dire qu'on embarque une JVM, on host une JVM dans un isola Python. D'accord ? C'est-à-dire que Python vraiment c'est maintenant notre couche qui nous permet d'uniformiser l'ensemble des isolats d'une application core. Donc ça c'est un premier point. Le deuxième point c'est pour compléter ce qu'a dit Thomas à propos de Android. Android, à un moment donné, je ne sais pas si vous avez entendu, il a dit la phrase « on peut sortir du cycle de vie des applications Android ». Donc ça veut dire qu'effectivement, depuis en utilisant Pygignus, on est capable d'instancier une instance de Dalvik sans passer par Zygote. Donc, je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Ça veut dire que dans un téléphone Android, normalement, vous installez un APK, il y a plein de choses qui s'installent avec le user de l'application, avec son espace de données privées, tout le tremblement. Et puis quand vous cliquez sur l'icône, grosso modo, ça appelle Zygote. Zygote, c'est, comme son nom l'indique, c'est le cloneur de JVM. Sur Android, les JVM ne sont pas instanciés, on ne fait pas un new, mais on fait un fork. Donc quand on démarre son application Android, il y a un process Zygote qui est là, et puis il y a une instance de JVM de Dalvik. Et chaque fois que vous cliquez sur votre icône, hop, il fork cette instance de Dalvik. Ce qui fait qu'on gagne toutes les ressources partagées. C'est-à-dire que chaque fois que vous instanciez Dalvik, vu que vous ne vous instanciez pas, vous le clonez par rapport à l'originel. Eh bien, vous gagnez la duplication de RT, vous gagnez tout un tas la duplication de toutes les pages mémoire avec le code exécutable de Dalvik, etc. D'où, alors bon, maintenant, les téléphones, ils font tous 2 gigas de mémoire. Mais bon, il y a un moment, c'était très intéressant. Et puis, de toute façon, forquer une JVM comme ça, ça va plus vite que d'instancier un nouveau process Dalvik. Donc, ça, c'est comme ça que ça fonctionne d'habitude. Hein. Vous cliquez sur votre icône et pof, voilà. Et puis à partir de là, c'est pas vous qui avez la main sur votre instance de Dalvik. C'est Android de Grand Manitou qui dit il y a des besoins, d'autres applications ont des besoins de ressources, toi t'es trop, dégage. Alors dans une application où on aimerait bien être toujours là, ça peut être contraignant. Donc là, en fait, avec notre système, avec le système qu'a mis en place Thomas, on est capable donc d'imaginer une application, et là typiquement l'application. Là elle est toute en Python, mais on aurait pu imaginer qu'il démarre une instance de Dalvik hors cycle de vie géré par Android, ce qui fait qu'elle serait toujours présente. C'est-à-dire que même en cas de limitation de ressources, il virerait les autres avant de nous virer nous. Quoi. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a derrière. Bon. On est en avance. Il y a des questions ? Ouais, est-ce que vous avez travaillé sur l'interopérabilité Java plutôt ? Ah bah bien sûr en fait. Donc, on va avoir une application. Oui, donc pour ça, donc on a utilisé Remote Service. On utilise JabSorb. Donc c'est une librairie qui permet en Java, qui permet de faire un équivalent de JSON RPC, mais en indiquant les types Java utilisés derrière. Et on a fait une surcouche à nos Remote Service en Python pour dire. En JSON RPC, il faut modifier le format final pour avoir quelque chose qu'attend Java.
Et à partir de là, l'interopérabilité se fait de manière quasi transparente. En gros, on a juste une indication à faire, c'est dire dans nos objets Python renvoyés quel est le type Java correspondant. Et à partir de là, l'interaction se fait toute seule. Voilà, donc ça, c'est dans le cas où on veut échanger des bins. Mais si on se limite au type natif, on n'aurait pas besoin de tout ça. D'accord ? Puisqu'après, du côté... Alors, il a dit aussi des choses... il a dit aussi une chose dans sa présentation, Thomas. Il a dit... on fait confiance aux développeurs. Alors, les pythonistes, d'habitude, ils disent « entre adultes consentants ». C'est-à-dire que la démarche de Python, c'est le contrôle de type... le management de type dans Python, c'est duck tipping. Donc, on s'adapte. Voilà, le monde Python, c'est un monde où on fait attention à ce qu'on envoie, parce que de l'autre côté, Python ne fait rien d'autre, rien du tout. Il n'y a pas un contrôle de type dur. Dans Java, on dira que de toute façon, il n'est pas si dur que ça parce qu'on peut caster, mais il n'y a pas un contrôle de type comme en Java. Ça veut dire que quand on fait du JSON RPC de Python à Python, on passe et puis de l'autre côté, il va se débrouiller. Alors que quand on veut faire du remote service depuis Java en passant par JSON RPC, à un moment donné, si on a une collection qui arrive, en Java, la collection, c'est quoi? C'est un array? C'est un dictionnaire? C'est... finalement, ce dictionnaire-là, c'est un ensemble de membres qui doivent aller dans un bin. Donc on est embêté, il nous faut de l'information supplémentaire. D'où j'absorbe, qui met une surcouche et qui, entre guillemets, vient caractériser la collection avec l'équivalent d'un Java class. Ce qui permet de l'autre côté de dire « Ah, c'est cet objet-là qu'il faut instancier et charger. » Mais ouais, c'est... l'idée, c'est effectivement une interopérabilité totale, ce qui fait qu'à un moment donné, donc quand on est au-dessus et qu'on définit la composition d'une application cohorte, on va être capable donc de dire que des composants X, Y qui viennent de Component Factory grand X, grand Y, qui sont caractérisés par leur technologie de développement. C'est un Component Factory Java ou c'est un Component Factory Python. Dans la notation sur la classe Java, on pourra mettre un require qui va donner une spécification qui est en fait un service Python et inversement. Donc dans une décoration Python, on va pouvoir dire qu'on veut une spécification, un require avec une spécification qui vient d'un service Java. Et le composeur cohort, considérant cette composition, cette description de composition, va déterminer que il faut que je démarre un isola Python pour instancier les composants Python dans cet isola-là, et s'apercevoir qu'il faut instancier un composant Java de l'autre côté, un isola Java, pour charger les bundles dans lesquels on va trouver les composants de Factory Java et instancier le composant Java. Et l'apparition des services par remote service de chacun des côtés, donc avec les services exportés, la détection automatique dans les deux isolats de la disponibilité des services exportés par l'autre extrémité va faire que tant Hippopo d'un côté que Hippojo de l'autre côté vont venir injecter les services remote de chaque côté, valider les deux composants et l'application démarre. Donc tout ça, c'est pris en charge. Tout ce que je viens de raconter, là, c'est pris en charge. Et la brique de base de l'interopérabilité entre le Python et Java, c'est ça. Donc aujourd'hui, on vous a présenté la brique de base. Demain, on pourra vous présenter. Alors j'ai noté aussi qu'on a les mêmes, on a conservé les mêmes noms de propriété, les mêmes types de valeurs et les mêmes outils de configuration que ce qui existe en OSGI et Hippojo. Donc par exemple, le cas des... Donc chaque onglet ici est un composant, et pour le configurer, pour dire « lis-toi avec le téléphone plutôt qu'avec le framework interne », on va utiliser la propriété par exemple « requires filter » qui est une propriété d'Hippojo pour dire « j'ajoute un filtre à un élément décoré « require ». Donc on peut très bien dire sur le papier, enfin en fichier de configuration, j'ai les mêmes propriétés, les mêmes noms utilisés en Hippojo et en Hippopo, et dire je prends juste la bonne API pour soit démarrer en Hippojo, soit en Hippojo. On peut très bien avoir les deux implémentations qui existent en parallèle et ne pas se rendre compte que l'une est en Java et l'autre est en Python. D'autres questions? Il y a d'autres questions? Est-ce qu'en Python, tu as moins de
de problématiques, enfin de problèmes en tout cas sur l'intégration de code legacy. J'ai vu quand on fait de l'SGI, quand on doit intégrer des librairies, on a toujours des... C'est pas facile. Allez. Est-ce que avec Python et Bobo et Pélix, ça nous simplifie la vie, hein? Alors, il y a deux niveaux. Il y a le niveau Python pur, où là, on a les problèmes classiques, le langage évolue, donc il y a du code legacy qui peut très bien ne plus marcher. Donc nous, on gère jusqu'à Python 2.6 au plus bas, donc ça remonte quand même à plus de 5 ans, donc c'est pas trop mal. Et il y a du vieux code qui arrive à tourner avec. Sinon, niveau legacy, donc comme je disais, le mécanisme d'import de Python n'est pas très personnalisable. Du coup, on reste sur les mécanismes classiques et donc les anciennes librairies peuvent toujours être utilisées. À ce niveau-là, il y a juste à refaire un import. Comme j'ai montré, on peut même utiliser les décorateurs en direct pour dire ben, cette vieille classe, je la transforme en composant en appliquant directement ce qu'il faut. Il y a par contre quelques petits problèmes. Donc, par exemple, PQT, c'est un exemple classique. PQT, au moment de son import, donc, comme je disais, en Python, quand on fait un import, il y a du code qui s'exécute. Il va considérer que son thread d'interface graphique, c'est celui dans lequel il est exécuté, importé pour la première fois. Donc ça, par contre, c'est des choses où il faut faire attention, mais c'est la problématique d'import. Donc ça, en gros, le développeur peut avoir un petit peu la main dessus. Faut y penser, mais c'est faisable. C'est pas une complexité extrême. Je sais pas si tu devrais parler du legacy code bibliothèque C. Alors, il y a aussi ça, c'est qu'en Python, donc on a C-Types, par exemple, qui est l'équivalent de JNA. On a aussi des outils comme Swig qui permettent de générer automatiquement des modules Python qui bindent une librairie C. Donc tout ça, on peut le gérer en Python. C'est, en gros, il y en a pour 2 heures maximum, et ensuite, on gère la librairie C, la librairie... Il faut le pousser, hein. On a fait des essais. Donc, pour le legacy code, imaginez, vous avez un système avec une librairie qui présente une API pour accéder à du matériel. Wrapper tout ça dans un bundle Pélix. Donc, faire en sorte qu'on ait un point PY qui va venir interfacer cette librairie en version X. Et donc, disposer au-dessus d'une déclaration de service, voire avec les décorateurs Ipopo, la déclaration d'un component factory pour pouvoir après instancier des composants qui viennent représenter une instance de la librairie sur laquelle on va pouvoir solliciter ces méthodes, ça c'est tout à fait faisable. L'intérêt de faire ça en plus, c'est que ça supporte l'update. C'est-à-dire que si tu viens injecter un autre package avec le même module PY plus une librairie en version X plus 1, à l'update, moyennant certaines contraintes, tu es capable donc de, dans ton interpréteur Python, donc dans ton instance, dans ton isola Python, de switcher de version de librairie à chaud. À chaud. D'accord ? Ça, Thomas a validé ça quand on a fait des essais avec... la DER, avec EDF, avec David Maga. Donc voilà, c'est par rapport à du Java, par rapport à JNI, par rapport à etc., c'est le jour et la nuit. Hein. C'est le jour et la nuit. Donc après, imaginez, j'ai une grosse application Java, donc deux solutions. L'alternative, c'est quoi? C'est je vais mettre la lib dans le pass de ma JVM pour que je puisse faire un load library, etc. Bon, ben, tout ça, c'est de la gestion bas niveau, et puis t'as une liaison en dur, quoi, entre les deux mondes. J'ai mon application Java avec toute sa complexité, son interface graphique, et j'ai un isola Python à côté dans lequel je vais communiquer avec lui via remote service, et c'est lui qui se charge de faire... charger la librairie dynamiquement avec un load avec un chargement de bundle, la capacité de changer de version de librairie à chaud comme je l'ai expliqué. Bon bah a priori tu sais parler de problématiques. Qui plus est, vu qu'il y a remote service entre les deux, tu peux gérer un éloignement. Hein, c'est-à-dire qu'avoir un isola Python, c'est comme disait Thomas, c'est quelques mégaoctets. Il dit 5. L'autre fois quand on avait fait les mesures, on était à 7.
enfin il y avait pas mal de code dedans, 7, une JSE même réduite, c'est 70 mégas. Donc sur un système, alors tu vas me dire oui, mais sur un Raspberry, il n'y a plus de clic Raspberry. Donc voilà, on a cette. Ça veut dire temps de chargement moins long, ça veut dire. Donc tu arrives sur une distrib Linux. En plus, bon, disposer d'une JVM, bon, maintenant il y a Oracle JSE embedded ARM compilé par le grand maître, d'accord. Mais elle est grosse, mais il y a les problèmes de licence de pour la diffusion. Il y a, là, tu prends une distribution Linux minimale, tu as un interpréteur Python 2.6 dessus, ça roule. Ça roule. Donc ça a quand même tous ces aspects-là pour le. Après la dynamicité, ce que j'ai pas dit, c'est que là on a simplement deux ISOLA avec un capteur. C'est pas encore implémenté, mais on a dans le carton d'avoir la notion d'ISOLA générique, c'est-à-dire d'avoir N capteurs. Mais en termes de composition, de description de composition, c'est la même chose. Là, le fait que les isolas s'auto-découvrent quand un isola apparaît, parce qu'on les a configurés pour qu'ils fassent du multicast UDP sur le même port, ça veut dire qu'ils font partie de la même famille, pof, tu démarres autant d'isolas que tu veux, et tu les vois apparaître. Tous les services qui sont publiés, exportés par le Pelix dans un isola Python, ils vont apparaître automatiquement dans les services importés d'un isola Java, et tu vas pouvoir les utiliser. Voilà, c'est complètement automatisé tout ça. Là, tu parles de composition. Le composite IcoGo, c'est quelque chose qui est aussi disponible ou qui est alors non. En IcoGo. Non, par contre, on n'a pas géré tout ce qui est composition, etc. Parce que là, nous, on utilise un composeur fait maison, donc qui prend tout à plat. Donc, on n'a pas la logique, comme en IcoGo, dans les composites, tu peux avoir des services privés dans tes composites. Tout ça, on l'a laissé de côté. On gère des compositions à plat. Donc, toute la composition sur le même niveau. En fait, nous, ce qu'on parle de composition, on arrive par le haut. Alors, au départ, on est parti composition au sens générique, donc composition SCA. Et chaque fois qu'on va employer le vocabulaire, c'est plutôt dans cet aspect-là, hein, c'est par le dessus. Et ça se traduit à un moment donné par bah, notre composition, elle est exprimée dans des fichiers JSON avec notre format à nous. Charge à nous d'avoir des traducteurs par rapport à du XML SCA, par rapport à ce qu'on veut. Et on a un composeur qui s'est donné vie aux compositions. Alors là, on déborde encore un petit peu. Hop, on va parler des travaux de Thomas. Donc c'est sur ce composeur-là que Thomas fait sa thèse, avec le côté organisation automatique de la répartition des composants dans les isolats. En fonction de notation en fonction. Il va vous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Mais voilà. Nous, quand on parle de composition, il faut voir ça comme une composition générique, exprimée d'une manière ou d'une autre, qui se ramène à notre expression à nous et qui est mise en œuvre par un composeur qui se retrouve au-dessus de Pélix Hippopo, Félix Hippojo. Comment ça s'arrange entre la composition de niveau SCA et la composition IcoGo ? Parce que IcoGo, il y a une composition. Oui, mais justement, je me suis peut-être mal exprimé, mais la composition dans IcoGo, on ne s'en soucie pas. C'est-à-dire que nous on voit IcoGo. Mais de manière générale, pas que pour. Pas que pour Hippopo. Non, c'est. C'est-à-dire que notre composeur va prendre chacun des SOCM qui se trouvent dans la technologie X ou Y et va lui demander d'instancier des composants sur la base de la disponibilité des composants de factory. Quoi. On voit ça comme un pourvoyeur de, service. Mais Hippopo ou Hippojo représente des capacités à instancier des composants. Et puis il y a une logique au-dessus qui vient manager tout ça. On n'a pas utilisé. Donc dans Hippopo, de toute façon, il n'y a rien sur la composition. Et on n'a pas utilisé ce qui existe dans IcoGo concernant la composition. Et une dernière question de question. On parle des modules, finalement, les bundles là, sont présentés par des fichiers Python, des points PIAM.
Tu parlais aussi d'avoir des librairies qui étaient dans ces fichiers-là. Et, pour moi, les fichiers, enfin, c'est une question de ce que je connais pas Python. Mais voilà, ces fichiers Python, c'est un code source. La librairie, je l'avais pas dedans. C'est pas un jar, c'est pas une archive. Hein. En fait, en Python, c'est quand on trouve une librairie, en gros, il y a deux techniques. C'est soit on trouve les sources et tu les utilises directement. Donc dans ce cas, ils sont dans un dossier ou même un seul fichier. Hein. Il y a des librairies qui tiennent sur un seul fichier assez lourd. Mais là, tu parles de librairie Python. Oui, de librairie Python. Toi, tu parlais de librairie C, native. Alors, dans le cas de librairie native, on fournit un fichier SO. Généralement, il y a un fichier. Généralement, c'est un fichier SO, tout simplement, qui est déjà prévu pour être utilisé avec Python. Dans ce cas-là, c'est transparent, tu ne te rends pas compte que ce n'est pas un fichier .py, tu l'importes comme n'importe quel autre fichier. Dans le cas des librairies wrappées, il te faut le fichier DLL, SO, ce que tu veux, et un fichier .py à côté qui va faire le lien. Ou ce lien, dans le cas de Swig, est lui-même un fichier SO qui intègre à la fois la librairie Legacy et le code qui permet de le transformer en module. Alors, dans la présentation, à un moment donné, Thomas, il a parlé donc des packages. Ouais, des packages Python. Un package Python, c'est un dossier qui a un certain nom dans lequel tu peux avoir de multiples fichiers .py. D'accord ? Et c'est vu comme une seule entité parce que tu dis un port du nom du dossier. Et ce dossier-là contient un init py qui, grosso modo, va manager tous les sous-modules qui se trouvent dedans. Donc, quand tu dis je veux livrer un bundle OSGI Python, donc destiné à être géré par Pélix, tu vas livrer un dossier qui s'appelle Tartampion, dans lequel tu vas avoir ton init, tu vas avoir le py qui va contenir les classes de wrapping de ta librairie, et tu vas avoir le SO. Donc tu zip et tu donnes ça au monsieur. Quoi. Donc tu as toujours quand même cette. Même si on ne supporte pas les jars, enfin Python ne supporte pas les jars, tu as quand même un certain niveau de packaging qui te permet de ne pas donner des fichiers comme ça. Je vais rester au fait qu'un fichier PI, ça représentait un bundle PX en fait. Voilà, mais. Dans un slide un peu plus tôt là. Thomas, il a parlé donc de l'import des. C'est limité, c'est-à-dire qu'en fait, parce que le monde Python est un monde. Je vais laisser la main à Thomas. Python, c'est une évolution constante. Hein, donc c'est, comme je disais, en gros, les packages est en cours de redéfinition. Donc avant, un package, c'est comme le disait Olivier, c'était un dossier vu comme un élément. Et le fichier init faisait tout ce qu'il fallait pour dire ce fichier-là est accessible immédiatement ou alors il faudra l'importer plus spécifiquement. Là maintenant, ils sont plus sur une notion de namespace. Donc le but final de la nouvelle définition, c'est de pouvoir dire j'ai plusieurs dossiers et je considère que c'est un seul package. Ou avoir le même nombre de dossiers sur plusieurs disques différents et dire j'utilise tout comme un seul package. Donc c'est pour ça que pour le moment on n'en parle pas trop. Mais nous, on considère toujours un bundle comme étant un fichier PY. Ce qui fait que, comme là, sur la démo, on voit, on va prendre ici par exemple, les quatre ici correspondent à un package. Nous, on a éclaté tous les fichiers comme un PY qui étaient présents, donc le init ici, la gestion des bundles, la gestion de la boussole et la gestion des services. Donc sur le disque, ça se représente par ce dossier-là. Donc on retrouve nos fichiers .py. Les fichiers .pyc, c'est du cache de Python. C'est en gros le fichier .py en version compilée. Donc là où Python, en temps normal, on dirait juste import details et il se débrouillerait avec tout ça grâce au fichier init, nous on dit on représente chaque fichier comme étant un bundle. L'avantage de faire ça, c'est que comme tout à l'heure, là j'ai changé la couleur de la boussole, j'ai juste eu à modifier le fichier compass et juste dire c'est ce fichier là que je redémarre. Par contre les autres sont restés non touchés. Donc j'ai pas eu de redémarrage de composants de bundle ni de service. C'est vrai que comme t'as pas de problématique de class loader qui regroupe tous ces fichiers ensemble, ça passe pas.
Voilà. Donc tout est stocké dans un endroit, donc c'est le sysmodule, comme ils appellent ça. Le problème, c'est que ça force par contre d'avoir un seul framework par interpréteur, puisque tout est partagé. Donc ça c'est pareil, on va y regarder un petit peu plus tard. Donc voilà. Alors par contre, pour en revenir aussi un petit peu à ce qu'on disait, DLL, etc., j'en ai parlé rapidement, Python a un équivalent des jars qui arrive, c'est les fichiers egg. Donc c'est le même principe, hein, c'est un fichier zip qui contient les dossiers et une petite description. C'est pas aussi poussé qu'un manifeste de jar, donc pour le moment c'est encore en cours de spécification. Mais ça viendra. Le monde Python, à la limite, par rapport au monde Java, c'est c'est un peu plus mouvant. Là, y a quand même la branche 2 persiste. Il y a plein de choses qui sont encore dans la branche 2. Et la branche 3 qui se veut quand même être un. Jusqu'à présent, une compatibilité totale. Et puis là, avec la 3.4, il y a quand même certaines ruptures qui se font. Hein, c'est lent à être adopté. Donc nous, on est quand même dans une position où bon, on fait des choix qui nous permettent de toujours fonctionner avec la branche de 6. Parce que bah, sur, je vais dire une bêtise, mais sur la Debian 6, c'était toujours 2.6. Debian 7, c'est 2.7. C'est la 2.7. Donc ils sont toujours là. Hein, et les Debian... je sais pas, la Raspbian, ça doit être ça encore. Hein. Donc ben voilà, même sur Raspberry, c'est encore ça. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qu'a pas dit Thomas, c'est que dans le monde Python, il y a plusieurs... Il y a le langage Python, et puis il y a les interpréteurs Python, voire les compilateurs Python, voire les JIT Python. Et ce qui fait que quand on parle de Python, on parle du langage, mais contrairement à Java, où quand on parle de Java, on parle grosso modo... Bon, effectivement, il y a plusieurs JVM derrière. Hein. Il y a la J9 chez IBM, la OpenJDK, les JVM Sun, Feu, JVM Apple, etc. Mais ça représentait, c'était toujours la même chose. Enfin, les technologies sous-jacentes sont quasiment les mêmes, sauf sous Dalvik où ils ont changé de technologie avec la problématique des DEX. Mais c'était toujours la même chose. Quoi. C'est toujours la même chose dans le monde Java. Dans le monde Python, vous prenez Pipi. Pipi, c'est un compilateur. C'est un vrai compilateur. Bon, ben, PX et Ipopo, ça marche avec Pipi. Alors, ça pose un peu des problèmes parce que au moment des décorations, l'application des décorations, donc comme vous a dit Thomas, les décorations, c'est pas quelque chose qui est comme en Java, les annotations traitées au moment de la compile. Bon, il y a les annotations en runtime, mais c'est généralement traité au moment de la compile. Et puis après, on s'en soucie pas. Là, les décorations, c'est du code qui s'exécute au moment où on va instancier une classe. Donc ça veut dire que pour Pipi qui compile à la volée, ça veut dire que, ah mince, ma représentation de ma classe que j'avais au moment du chargement, parce que j'applique des décorateurs, ah merde, c'est plus la même, donc il faut que je la recompile. Donc ça veut dire qu'on a de l'overhead au niveau de quand Hippopo dit « instancie-moi un composant », on a un overhead par rapport à un interpréteur Python avec Pipi. Par contre, on va gagner derrière. Donc, voilà, c'est tout ça pour donner quelques notions sur le monde un peu mouvant du Python avec pas forcément la même manière de s'exécuter quand on est avec un interpréteur ou un compilateur. Ou autre. Et puis, je vous ai cité que donc l'interpréteur Python officiel, mais il y a d'autres interpréteurs Python qui présentent d'autres avantages. Puis il y a le compilateur, mais il y en a plein, enfin, je ne sais pas combien ils estiment, il y en a 10, 15 hein. Il y en a au moins une dizaine qui sont actifs et il y en a existé au moins une trentaine. Sachant que certains sont, comme par exemple on peut citer Jiton qui est assez connu, hein, qui est l'interpréteur Python écrit en Java. Donc lui qui a des capacités totalement différentes puisqu'il n'a plus l'accès aux fonctions POSIX, donc en gros on perd l'intérêt de Python. Mais on a accès à toutes les classes de JVM. Ça dépend un peu de ce qu'on veut faire. Après, je vois par exemple, Olivier parlait de JIT, etc. Ça n'existe pas en Python à la base. C'est un compteur de référence qui est utilisé pour le garbage collecting et c'est de l'interprétation directe. Il y a des projets comme Numba qui commencent à sortir, donc ils font des JIT écrits en Python pour optimiser le code à la volée. Eux sont aussi basés sur le décorateur, donc c'est au moment du chargement de la classe que tout se passe.
Donc le monde Python ouais, est en évolution. Python est réputé pour sa lenteur. Donc ça, c'est comme Java l'a été une époque. C'est dû notamment à la manière de fonctionner. Il y a de l'interpréteur Python standard. Donc il y a un verrou global qui bloque chaque instruction. Donc le multithreading n'est pas top. Mais c'est tout à fait tolérable quand on fait comme nous du système ou comme ça. Donc quand on dépend de choses extérieures, généralement des travaux en entrée-sortie, où là le verrou prend pas énormément de temps par rapport au temps d'attente. A l'inverse, des interpréteurs comme Pipi ou équivalent n'ont pas ce problème vu qu'ils n'ont pas d'interpréteur global. Et là, on a des vitesses proches de celles de Java. En passant, j'ai peut-être raté l'info. Si quelqu'un veut jouer avec ou essayer la démo ou des choses comme ça, c'est libre, la démo n'est pas encore dispo puisque bon, c'est une archive VirtualBox, donc 1 Go, c'est un peu dur à uploader pour le moment. Sinon, oui, donc Hippopo, donc c'est sur e-slide, je passerai tout ça. Donc c'est sur hippopo.codeexpress.net, donc c'est le site officiel. Donc pour le moment, c'est l'ancienne version qui est la 0.4 qui est présente sur le site. La nouvelle va bientôt sortir, dans la semaine prochaine, donc qui permet de faire tout ça. Donc c'est libre, hein, c'est de la GPLv3, sachant qu'on est assez ouvert niveau proposition pour des licences un peu plus ouvertes comme la Apache par exemple, si besoin. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Et donc le source est sur GitHub pour ceux qui veulent jouer un peu.